Coucou, c'est Farel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un patch anti-points noirs super efficace et très facile à faire. Si vous avez des points noirs qui sont situés sur le nez, le menton, le front ou un petit peu partout sur le visage, vous allez voir que ce patch va vraiment vous aider. Avant tout, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également d'activer les notifications, comme ça vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Place au tuto. Pour ce patch, il vous faudra uniquement un œuf et on va utiliser le blanc d'œuf principalement. Il vous faudra également un sachet de thé, mais je vais vous expliquer tout de suite comment on va utiliser ce sachet de thé. La première chose à faire, c'est de séparer le blanc du jaune. Nous allons garder pour ce patch-ci uniquement le blanc d'œuf. Ensuite, il vous faudra un sachet de thé. Je vous conseille un sachet de thé avec cette dimension-ci parce que les sachets pyramidaux, ce serait un petit peu trop compliqué de les utiliser. On va juste couper l'extrémité pour pouvoir vider le thé qui se trouve à l'intérieur parce qu'en fait, nous n'aurons besoin que du sachet de thé et pas du contenu. Vous pouvez bien évidemment garder le thé vert pour l'utiliser dans une autre recette ou le boire. J'ai fait plusieurs vidéos avec du thé vert en astuce beauté, je vous invite à regarder dans ma chaîne, dans la playlist tuto DIY. Une fois qu'on a notre petit sachet de thé, on va juste mettre de côté le thé et on va couper le sachet en trois morceaux, donc en trois lamelles, pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Si vous l'appliquez sur le nez, je vous conseille vraiment de couper le sachet en 3, voire en 4. Si c'est pour le front ou le reste du visage, je vous conseille alors de couper des plus grands morceaux, par exemple de couper votre sachet de thé en 2. Pour l'application, ça va être très simple. Donc, on prend notre petit blanc d'œuf. Et on va juste le battre légèrement, ce n'est pas obligatoire. Je vous conseille bien évidemment d'avoir un visage propre et nettoyé comme je l'ai fait. Donc enlevez toute trace de maquillage et nettoyez bien votre visage. Pour l'application, moi je vais utiliser un pinceau, je trouve que c'est nettement plus facile. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos doigts. Je vais mettre une première couche de blanc d'œuf. Et une fois que ceci va être fait, je vais appliquer une petite lamelle, un petit morceau en fait du sachet de thé que j'ai coupé. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais appliquer une seconde couche de blanc d'œuf, vraiment pour humidifier tout le petit patch, tout le petit morceau de sachet de thé. Et une fois que ceci est fait, je vais appliquer une seconde couche, un second petit morceau de sachet de thé et je vais continuer de la même manière pour utiliser tout mon sachet de thé. Une fois que ceci est fait, je vais laisser poser pendant 30 minutes. Vous laissez poser jusqu'à ce que ça devienne sec, peut-être après 20 minutes. Ou 35 minutes. Ensuite, nettoyez-vous le visage comme d'habitude, puis rincez avec un jet d'eau froide. Ensuite, vous pouvez passer un petit glaçon sur tout votre visage ou principalement sur la zone que vous avez appliquée. Ce patch, vous pouvez le faire une à deux fois par semaine. Vous pouvez garder le blanc d'œuf au frigo pendant 7 jours sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !